Bonjour mes chouchous, comment ça va? Ça va bien? Oui. Super. Bonjour Pookie, tu dis bonjour aux copains? Bonjour Lucita, bonjour Happy, bonjour Vissotte, bonjour Vanna, bonjour Jasmine. J'espère que vous allez bien parce que Pookie va très très bien. Il a bien mangé, il s'est bien amusé, il a bien dormi aussi pendant le week-end. J'espère que vous aussi? Oui. Très bien. Et alors les loulous, quel jour on est aujourd'hui? On est le premier jour de la semaine. Donc c'est le lundi. On est lundi 29 juin. Et il fait beau dehors. Il y a du soleil, même s'il a plu toute la nuit. Vous avez entendu la pluie cette nuit, les loulous? Oui. Ouais, bah oui, il a bien plu, hein. Enfin. Donc mes chouchous, on continue avec les moyens de transport. Mais cette fois-ci, on va voir les prépositions. Ça veut dire les petits mots qu'on met devant chaque nom de transport pour savoir comment on l'utilise. Regardez ici, on a le train, le taxi, la voiture, le bus, l'avion, le bateau, on a aussi nous-mêmes à pied, la moto, le vélo et le cheval. D'accord? Alors, on va commencer par cela. Comment vous allez, par exemple, en France? Comment vous y allez en France? Vous y allez à pied? Non. Comment on y va? On prend l'avion. Alors, quand on prend l'avion, on dit qu'on va en avion. Pourquoi? Parce que les passagers, vous, vos parents, votre famille, pardon, vous montez dans l'avion. Vous allez à l'intérieur de l'avion. C'est très grand, hein, l'intérieur de l'avion. Vous en avez déjà vu, déjà. Oui. Donc, on va à l'intérieur de l'avion. On s'assoit sur les sièges qui sont dans l'avion. C'est pour ça qu'on emploie la préposition en. Quand on est à l'intérieur d'un moyen de transport, on utilise en. Ici, comme le bateau, comme le train, le taxi, la voiture ou le bus, parce que vous montez dedans et vous vous asseyez. D'accord? Donc, quand on va à Kampot, on y va en train ou en taxi ou en voiture ou en bus. Mais on n'y va pas en bateau ni en avion parce que c'est pas possible. Il n'y a pas d'aéroport à Kampot et qu'il n'y a pas la mer d'ici à Kampot non plus. D'accord? Très bien. Donc, comment vous allez à l'école, vous? Ah, je sais, vous prenez l'avion. Mais non, Roas, tu dis n'importe quoi. Eh bien, oui. Certains élèves en France, eux, ils vont en bus. Le ramassage scolaire, le bus passe devant les arrêts et les élèves montent dans le bus. Donc, ils vont en bus à l'école. Et vous y allez comment? En taxi? Oui, c'est possible. En passap, en tuk-tuk. Ou en voiture avec papa et maman. Mais pas en train. Non. Ah, c'est bien. Donc, vous avez compris, quand on monte dans le taxi, dans la voiture, dans le train, dans le bateau, dans l'avion et dans le bus, on dit en. En bus, je vais à l'école en bus, je vais à l'école en voiture, je vais à l'école en taxi, je vais à Kampot en train, je vais, où est-ce que je vais aller? Je vais à Kortensai en bateau et je vais en France en avion. Super les chouchous. Ensuite, regardez. Là, on va pas dire la même chose parce qu'on a séparé. Donc, vous avez bien compris que ce n'était pas la même chose, n'est-ce pas? Donc, vous allez à l'école comment encore, là, cette fois-ci? Il y en a, il y a des élèves qui habitent à côté. Donc, ils vont à l'école à pied ou à moto ou à vélo, mais pas à cheval, d'accord? Pourquoi on dit ça? Parce que on utilise le mot à quand on est sur quelque chose. Regardez. Et on marche sur la route. On dit
à pied. Donc, je vais à l'école à pied. Et quand on est sur la moto, on s'assoit sur la moto parce qu'on ne peut pas entrer dans la moto, on dit à moto, je vais à l'école à moto. Et là, je vais à l'école à vélo parce qu'on s'assoit sur la selle du vélo. Et là, quand on va se promener à Areasa, on monte sur le cheval, donc on va à cheval. Je me promène à cheval. Est-ce que c'est compris, les loulous? Regardez, quand on ne va pas dans le moyen de transport, mais qu'on est sur le moyen de transport, quand on s'assoit sur ou quand on marche sur la route, on utilise à. Donc, je vais à pied, je vais à moto, je vais à vélo et je vais à cheval. Mais quand on peut entrer dedans, on dit je vais en avion, je voyage en avion, je voyage en bateau, je voyage en train, je voyage en taxi, je voyage en voiture et je voyage en bus. Ok les chouchous, c'est bien compris? Super!